Les négociations sur le traité de libre-échange entre les USA et l'Europe ne sont plus suspendues qu'à un câble. Mais malgré l'opposition citoyenne et le constat d'échec posé par François Hollande à la fin de l'été, le président de la Commission européenne veut poursuivre les négociations, annonce faite aujourd'hui lors d'un colloque sur l'avenir de l'Europe à Paris. L'Europe ne va pas s'agenouiller devant les Américains, nous n'allons pas jeter à tout vent les principes qui ont fait le succès de l'Europe, mais je voudrais dire ici comme ailleurs qu'il ne faudrait pas que nous nous coupions du reste du monde. L'objectif initial était de boucler l'accord avant le départ de Barack Obama, mais les USA ont désormais d'autres priorités, tout comme la France et l'Allemagne qui organisent des élections l'année prochaine. Les négociations risquent d'être mises au frigo jusqu'à la fin 2017.